Le Teckel, tome 3, c'est le dernier album d'Hervé Bourris, tout juste sorti dans les bonnes librairies. Au début, Le Teckel, alias Guy Farkas, sévissait en tant que délégué médical, avec un look des années 70. Aujourd'hui, il se met dans la peau d'un candidat à l'élection présidentielle, un sujet brûlant et d'actualité. Il va être l'objet d'une manipulation de communicants d'une grande agence parisienne qui cherche un candidat pour les prochaines présidentielles. Donc il va y avoir une manipulation en fait. Ils vont créer un parti factice et il sera le candidat. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Donc c'est leur idée de prendre un personnage lambda mais qui a du bagout quand même pour essayer de vendre une nouvelle politique qui ressemble fortement à ce qu'on faisait avant. Le Teckel, une satire de la vie politique française qui a trouvé son origine dans la passion de l'auteur pour les séries américaines. À force de voir toutes ces séries-là, j'ai eu envie de raconter une histoire similaire, mais à la française, quoi, avec des communicants et des hommes politiques importants, des vacheries. Une consécration, le premier tome de la série va être adapté au cinéma. Acteurs pressentis, François Cluzet et Benoît Poulvorde. Ça fait plaisir. Moi, j'ai jamais rêvé de ça, en fait, du cinéma. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, ça fait plaisir. Et puis, c'est un nouvel univers que je connais pas du tout. Donc, je fais des rencontres, c'est agréable. Oui. Un scénario à la Jean-Pierre Mocky. Les fans attendent déjà le tome 4.